Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour l'épisode 7 de Visectrum. Donc on se rapproche gentiment, à mon avis, de la fin de la partie 2. Correspondra-t-il à la fin de la zone? Je pense pas. Mais bon, on verra bien en temps et en heure. Laissons progressivement gentiment. Découvrons la suite de ce tournoi de l'ordre d'Aldor. Et on va peut-être retrouver l'équipe de Regen avec les sages de S. Qu'est-ce qui se passe, Fina? Est-ce que j'ai quelque chose de coincé entre les dents? Rain, est-ce que tu as changé? Un peu? Tu crois? Ouais, j'ai l'impression que tu as beaucoup mûri depuis la vie. Hé, voilà qui me fait chaud au cœur. Oh, mais moi aussi j'ai oublié beaucoup, tu vois. Regarde un peu cette pose à craquer. Les mots me manquent. Pourquoi? Cette nouvelle finale est trop louche. Depuis les retrouvailles avec Rain et qu'elle a échappé à la mort, elle est louche, cette nouvelle Fina. Enfin, cette Fina plutôt. Pardon. Et est-ce que ça pourrait venir de la machine qui a permis à la remettre d'aplomb? Bonne question ça. Je ne sais pas. Il y a trop de choses louches. Hop. Easy. C'est vrai que j'ai la soie aussi pour le vent, je suis bête. Combo élémentaire 3 fois en un tour, merci. Discussion avec Sol. Je n'y comprends rien non plus.
D'où me vient cette haine de Rey? Je veux en connaître l'origine. En découvrir la source m'aidera sûrement à trouver mon véritable objectif. Je crois que c'est deux, c'est ça? Trop tôt pour l'élément et puis pas assez rapide pour les limites. Autant dire j'ai tout foiré quoi. Hein. Ah non, l'élémentaire ça s'est passé. Ah bon, je sais pas comment c'est passé mais. Je demande le replay. Bon, sauf qu'il n'y sera pas, mais... Faudrait voir deux reprises. Ouais, très bien. Oh là là, je suis pas réveillé. Hein. Ah oui, la limite, ça serait peut-être mieux que j'y pense. Hein. Je vois qu'on choisit de nous affronter juste à deux. Grave erreur. Ou peut-être... Peut-être qu'il ne s'agit pas d'une erreur. On reste sur le qui-vive. Si on gagne, ils n'auront plus qu'à éliminer un autre participant.
Ah, la Fina classique, je sais pas où elle est dans le lot. J'ai l'impression qu'elle est tout à la fin, mais on la voit pas. On n'a pas tant d'avoir en fait, j'ai l'impression. C'est assez bizarre là, dans la réflexion. Assassin Epsilon pour le dernier participant à vaincre. Demoldoa? Oh! Un groupe de 3, c'est parfait. Je vais pouvoir atteindre le quota d'un coup. Ah! Je crois bien qu'on ne pourra pas prendre le temps d'observer celui-ci. Samantha, Annabella, donnez tout ce que vous avez. Alors c'est parti pour l'attaque Delta. Comptez sur moi. Allons-y. Prends ça, une attaque directe. Personne ne s'est jamais remis de celle-ci. Hein? C'est tout? Impossible! Comment se fait-il que notre attaque Delta n'ait eu aucun effet sur lui? C'était pas prévu! Ne me dites pas que c'est tout ce dont vous êtes capable. S'il vous reste d'autres tours, c'est maintenant. Bien sûr qu'on a d'autres atouts. Notre carte maîtresse. Tout à fait, on en a une. Mais attendez juste un peu, il faut qu'on y réfléchisse d'abord. Ah, abruti, tu n'es pas censé dire ça à l'ennemi. Il ne reste donc plus rien en réserve. Alors mourez. On est mal. Demoldoa, c'est nous qui allons te battre. Peu. Pas mal. Tes coups sont bien affûtés. Oh ! Il va sortir la sérénité ultime ? Ma foi, qui aurait cru qu'il restait des candidats avec autant d'ardeur ? Intéressant. Dans ce cas... Il s'est enfui. Si près du but, on aurait sûrement réussi à le tuer. La sérénité ultime? Quelle technique impressionnante! Vous n'êtes pas blessé? Pourquoi? Pourquoi nous avoir aidés? Vous devez bien avoir votre propre objectif, vous aussi. Précisément, nous avons participé à l'Ordre d'Aldor pour atteindre notre objectif. Cependant, nous aiderons tous ceux qui en ont besoin. Cela fait aussi partie de notre objectif. Pas vrai, Reine? Tout à fait, Laswell. Bien dit.
Merci de nous avoir sauvés. Nous vous en sommes reconnaissantes. On vous en doit une. Nul besoin de nous remercier. On se reverra lors du tournoi. Vous n'aurez aucun compte à nous rendre lorsqu'on s'affrontera dans l'arène. Je compte sur vous pour vous donner à fond. Très bien. Comptez sur nous. Mais c'est qu'il est classe quand il veut. Je trouve aussi. Vous avez dit quelque chose? Non, rien. Rien du tout. Oh mon Dieu. Ceux qui sont véritablement forts rassemblent les autres autour d'eux. La Souelle, il semblerait que le moment tôt soit venu. Moi, je voulais le combat contre l'Epsilon. Je suis triste. Les craintes de Nicole, là. C'est juste le numéro 5, Epsilon. Le faux numéro 5, plutôt. Bon sang, je n'ai pas pu achever des Moldois. N'y pense pas trop. Si ta réalité ultime avait atteint sa cible, tu aurais sans aucun doute triomphé. Ce qui m'amène à douter des actions de Demoldoa. Il me paraissait bien calme, même dans sa retraite. Mais bien sûr. Qui dit qu'il y a un truc et qui fait des altérations d'état? Ah, ça c'est la Fina Lotus. À tous les coups. Eh oui, le fouet estival. 80% de tous. C'est pas compliqué de trouver où c'est, puisque quand on sait sa team de ce qu'elle a et qu'il y a des choses qui se passent comme ça, forcément ça vient de l'unité alliée. Voilà, le combo, on n'en parle plus.
des inquiétudes croissantes. Du choix entre Io et Olive pour des personnages de barbecue, ça fait moche quand même. On n'a pas encore réussi à terrasser 5 adversaires. Que devrait-on faire? Les autres participants se font de plus en plus rares. Peut-être que les autres ont été avertis de notre force et qu'ils nous évitent. Nous en sommes mal alors. À ce rythme, on ne parviendra même pas à passer les phases préliminaires. Ah, quoique, non, c'est bon, j'ai tout. Ah oui, non, mais je n'ai pas de magie, on a dit. On va tenter ça, voir ce que ça donne. Ah oui, mais c'est pas l'élémentaire. Et, ah mais si. C'est... C'est bizarre, je comprends pas le sprite de son attaque à Rin. J'étais dans le forticite que le plus total. J'ai tenté des trucs. Il n'y a pas grand chose qui s'est produit de beau. Bon, l'avantage, c'est que je sais qu'il y a un combat à 3. Magie. Le gros ours, le gros ours.
Nous voilà arrivés sans encombre au poste de contrôle, mais... nous sommes dans un sacré pétrin. Sans Magus, vous avez vaincu 5 adversaires. Vous pouvez passer. La soirée sans groupe, vous n'avez vaincu que 4 adversaires. Vous ne pouvez pas passer. C'est pas vrai. Non. Pardon, c'est parce que je vous ai fait perdre du temps. Ce n'est pas grave, il nous suffit juste de faire demi-tour et de vaincre un autre participant. Inutile, voilà qui devrait suffire à régler votre problème. Arg! Non mais ça va pas? Sol, mais qu'est-ce que tu fais? Comme ça, nous pouvons passer. Nous avons vaincu 5 ennemis, donc c'est bon. Non, c'est pas bon, on va être disqualifié pour avoir enfreint les règles. N'ayez crainte, par les pouvoirs que l'ordre me confère, je suspends votre disqualification. Epsilon ? Demoldoa. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous êtes fort tous autant que vous êtes. Voilà pourquoi il est préférable de vous anéantir sous les yeux du monde entier lors du tournoi. Pour montrer la toute-puissance des ordres d'Aldor, rien n'est plus efficace que d'écraser les graines de la rébellion. Je suis sûr que l'empereur sera ravi. Nous avons réussi à éviter la disqualification. Mais à l'avenir, abstiens-toi de refaire ce genre de choses, Sol. Je ne peux rien te promettre, je ferai comme bon me semble. Je n'ai pas l'intention de changer ça. L'anéantissement total est la seule chose qui me motive. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Suivons-le, j'ai un mauvais pressentiment. D'accord. Ah ! Et d'un seul coup, il y a de la variété. On a fini option, on va la garder au cas où. Affronté bon nombre de fois, mais j'ai quand même l'impression qu'il ne s'est jamais trop investi. Quand même, l'impression qu'on a ressentie était identique à celle de notre combat sur l'Api, je sais.
Bon, une magie verte, ça ira. Ouais, vu comment ça se goupille, je pense qu'on aura une partie 3 de Visectrum. Bon, si l'épisode sort après l'annonce d'une partie 3, forcément ça aura moins d'impact, mais c'est le pressentiment que j'ai. J'aimerais savoir, pourquoi Sol ne se bat-il pas sérieusement contre Rain? On dirait qu'il a changé quelque peu, mais peut-être que je suis trop optimiste. Glace à 3 reprises. Je pense que je vais pas pouvoir tout faire. Hein. La chimère techniquement, ça va être de taper un après l'autre hein, les ennemis. Donc, non. Pas de chimère cette fois-ci. Pourtant c'est pas loin la chimère, c'est pas loin. Ça me... Je pense pas que ça va passer, mais on va tenter quand même. Ah ben, voilà. Ben non. Ah, pourquoi t'attaquer un perso qui contre-attaque saleté. Ah, j'étais pas loin, j'étais pas loin. D'accord. Donc
avec de la magie, ben on va partir avec avec la fine obscure pour le coup. Ah oui, carrément, on retourne avec le mal, quoi, carrément. Je l'avais pas vu venir celle-là. On aura un petit peu de blabla, combat et encore blabla. Techniquement. Qu'est-ce que tu m'as dit, gars, en ce sol? La même chose que toi, Reine. J'ai décidé d'anéantir l'empereur. Hein? Et je ne m'arrêterai pas là. Je détruirai le monde entier. Tu crois vraiment pouvoir y arriver? Rappelle-toi donc ce que j'ai fait sur la pie. De quoi tu parles? Qu'as-tu fait sur la pie? Non, ne me dis pas. Eh, si c'est bien la vérité, j'évoquerai à nouveau l'obscurité chaotique. Ce monde sera détruit et retournera dans le néant. J'ai voyagé tout ce temps avec vous, et je n'ai vu qu'un monde envahi par le désespoir. Un tel monde donnera sans doute naissance à une obscurité chaotique de plus grande ampleur encore. C'est pas vrai. Axtar, c'est cela, la voie que je dois suivre. Le mal existe. Vous aurez beau le combattre grâce au bien, le mal ne changera jamais. La cruauté de l'empereur, la souffrance du peuple. Je ferai tout disparaître. Et cette planète avec. Ne fais pas ça, Sol! Et personne ne pourra l'interrompre, bien sûr. Ô noceur de l'humanité, grouillant jusque dans ses plus sombres recoins, apparaît devant moi et engloutis ce monde dans les ténèbres. Viens à moi, obscurité chaotique! Non! Quel cinglé! Il a de nouveau invoqué cette abomination. C'est pas vrai. Rain. Ok, Laswell. On n'a plus le choix. On va renvoyer ce monstre d'où il vient. Une fois de plus. Ce sont les pensées de tout le monde qui m'ont aidé à vaincre la dernière fois. Oui, mais cette lueur chaleureuse n'est pas présente cette fois-ci. Je demande si cette victoire est à notre portée. Pense un peu à toutes les batailles que nous avons connues depuis que nous sommes arrivés sur Palladia. Nous avons affronté les ténèbres incarnées et nous sommes les plus forts encore aujourd'hui. Les ténèbres ne se referont jamais de nous. Jamais. Bon, j'ai l'impression qu'il faut pas. J'ai pas besoin de ménager celui-là.
oui, c'est vrai qu'elle a examiné. Je sais pas qu'est-ce qui fait le plus de dégâts entre les deux. 1 450 000, très bien. On n'arrive toujours pas à le vaincre, hein. Le terrain c'est de la magie. Bon, je pense que ça devrait suffire. Hein. Bah là, il reste que 200 que les ultimas, donc c'est bon. Ah, je suis bien content de ne pas devoir retourner faire ce combat. Hein. Bon, ça n'a pas été compliqué en soi de valider l'objectif que j'aurais loupé, mais bon. C'est bon le principe. Qu'est-ce que tu dis de ça, Sol? On a vaincu l'obscurité chaotique. Je vois. Il ne fallait pas en attendre plus d'une invocation si sommaire. Hein? Une invocation sommaire? Tout à fait. Si je parvenais à rassembler toute la rancœur contenue dans les cristaux de Palladia, imaginez seulement quelle fantastique obscurité chaotique cela donnerait. Hé hé hé. Elle serait si gigantesque qu'elle engloutirait même la pie dans les ténèbres. Tu ne crois pas, Rain? On ne te laissera pas faire. Pas tant qu'on sera en lit. Hé hé hé. Voilà, Rain. J'attendais ce regard. Ce regard répugnant, plein de justice et de bonté. Mais ça me va. J'espérais le revoir à nouveau. Que ta générosité hypocrite brille de mille feux. Ce sera d'autant plus amusant de la voir s'effondrer. Crois-moi, Rain, j'attends avec impatience notre prochaine rencontre. Sol. Génial. On en est à combien de psychopathes maintenant? Ne vous en faites pas. Peu importe ce qu'il tentera de faire, je serai là pour l'arrêter. La prochaine fois, je mettrai fin à sa folie. Pour de bon. Rain. Et donc voilà, Sol a quitté le groupe. C'est très bien tout ça. C'est très bien.
Bon, sauf que le problème, c'est qu'on sait pas où on va le retrouver. C'est ça qui est malheureux. Bref, c'est là-dessus que je vous laisse. Je vous retrouve bientôt pour la suite de l'histoire. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt, tout le monde.